Bonjour, on est parti pour un événement drift avec ceci, on est déjà crevé avant de partir, c'est génial. C'est chargé, oh la galère, je vous dis pas pour charger. On a mis des cales, parce que sinon, l'intercooler tape contre le truc là de la remorque. Enfin je vous dis pas, c'est plein de trucs, faudra voir ça la prochaine fois. On a blindé de pneus, mais alors blindé, genre il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, il y a 12 pneus dans la voiture plus le pneu de la roue de secours parce que bien évidemment l'intercooler frotte aussi contre la roue de secours. Oui, c'est déjà une longue journée alors qu'il est 11h. Bonjour Valentin. J'en ai marre. Oui, on est d'accord. On a chargé des pneus à la C5 aussi. Ah, ça ne se voit pas du tout, c'est génial. Je crois qu'on a en tout, on a 18 pneus, donc 9 jeux. Ça fait 3h30 qu'on charge la remorque. Ah, je suis mort et j'ai 8 heures de route. On va au Crepri Factory Party. C'est un événement où il y a beaucoup de japonaises. Ça risque d'être intéressant, j'espère. J'espère qu'on va pas casser des premiers tours, ce serait chiant. Hop. Première heure de repos. Toi, on peut te resserrer un petit peu. Ouais, non, mais c'est normal. C'est le temps que tout se mette en place. Parce que si ça bouge un petit peu, ça c'est serré. C'est reparti. Les petits ronds-points en drift. Vrai que. Une petite attraction de drift là. Avec la petite flotte au milieu et tout. Je connaissais pas ça. Ils nous ont regardé tellement mal. Direction de l'événement drift là, donc c'est là où on va changer les dernières pièces du kit d'angle, du freinage, les installer dans la soirée, dans le début de soirée là. Yo. Yo, on s'installe là. Regarde, elle est pas belle, elle va encore être sur chandelle la machine. Ah que coucou. Et là on va filmer un truc exceptionnel les gars, regardez. Vous voyez le petit Val qu'il a avec les petits cheveux là, notre petit panda préféré. En fait, il est fan de AE86. Et en fait là, il est en train de faire la rencontre avec la voiture. C'est-à-dire que c'est pas genre un fan, c'est genre le fan. Le mec il est hardcore, il les modélise sur Assetto, il connaît tout, il a vu 500 fois Initial D, etc. Et là il est en train de voir pour une première fois la AE86. C'est un moment exceptionnel les gars. Et ça c'est beau, ça c'est la passion les gars. C'est un blue top ou pas? Tu sais ou pas? C'est un blue top. Oui, ouais, c'est un blue top. Alors Val, dis-nous, qu'est-ce que ça fait d'avoir vu la voiture de tes rêves? Et bah là j'ai un peu dans mon froc, un peu. Surtout que demain, il y en a encore plus. Hey! Ça va les gars? Bon, bah il est 7h30 du matin. On a remonté la S13 hier, dans la nuit. Jusqu'à. On est allé au lit à 3h du matin. On a remonté tout ce qui est frein, fusée. Donc on est bien arraché. Et devinez quoi? Le casse-couille de la bande est réveillé avant tout le monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va aller casser les couilles à tout le monde. Voici le petit Airbnb. Vous êtes youtubeur? Réveillez-vous monsieur, vous êtes youtubeur. La vérité sur Tanguy, le matin c'est pas facile. Nous sommes le matin, c'est les 4 heures de sommeil. Du coup bah les freins sont montés. En gros tout est prêt, il reste à mettre les roues et faire l'alignement, tout ce qui reste à faire. Après on peut aller rouler. Oh là là, elle est sur ses roues. Elle est sur ses roues, les gars. Oh, au secours. Ah, la journée d'hier, c'était fatigant. Non, ça va. Ça va. Non, ça va, on est pas lié à la 3h du mat. Ça va bien. Non, mais... Oh la vache. Ah, ouais. Donc là, on a les supports Autocollection Storm qui sont censés se mettre comme ça. Mais puisqu'on a un événement drift, on va le laisser comme ça. Il y aura le pare-choc qui va le plaquer contre. Tant pis. Et puis bah voilà. Faut tout mettre là, faut tout resserrer. Il n'y a plus qu'à aller tester sur la piste. Qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Ça se trouve, je vais péter au premier tour. Aucune idée. Faut que je rôde les freins. Et ouais, stress. Stress mais content. Ah, ça fait plaisir de voir ça.
ça ne tombe plus. Oh là là. Et ça pote. Juste là. C'est pour ça que je peux pas braquer. C'est super beau. Bon, juste ça, c'est bleu, tant pis. Mais à la réalité des paddocks. Paul recherche à mettre l'apprentissage comme carrossier. Hey, j'attends d'avoir les roues droites pour pouvoir recadrer le combiné, resserrer, parce que j'ai remonté la caisse de 1 cm. Là, t'es droit. Vas-y, braque. T'es là. C'est le maf, ça, mec. Ça pue le maf. Ah oui. Ça pue le maf. Vas-y, coupe. On va le nettoyer. Tu l'avais déjà changé? Je l'ai déjà changé, ouais. J'ai déjà changé et on l'a déjà nettoyé. Ouais, bah ça pue le maf, ça, c'est typique. Bon, plus qu'à démonter, hein. T'en as pris des autres? Non, j'ai pas pensé. Bah, il tournait super bien. Démonte, nettoie, remonte. Wow, mushroom. Y'a rien qui lui... Y'a rien. Ça va être chaud. Ouais. Hop là. Bon, nettoie enfin. Ouais. T'as un filament de pété ou pas? Je sais pas. Ouais, ils ont l'air bien. Ouais. Ouais, c'est propre. Alors, essaye de démarrer puis... Je savais pas que ça prenait. Ah, ok, 9-1. Non. 9-1. T'en as 3, t'en as aucun qui marche. C'est clair, j'en ai 3. Déjà, j'en ai reçu 2. Il y en a un qui était dans le sac direct. Mais c'est souvent, c'est connu que les maps de S14, ça merde. C'est pour ça que tu passes en Z32 aussi. En théorie, c'est pas la carto. C'est tout ça comme ça parce que ça va directement rusher carto parce que AFR. Mais il y a d'autres causes que la carto. Genre l'électronique, peut-être. Et clairement, ouais, les maps, c'est. Carbu turbo, bien sûr. Nouveau maf. Il a failli s'en caler en plus avec la. C'est qu'il y a bien d'être avec des passionnés dans un rassemblement de japonaises au final. Passionné. Ah là là. J'ai remarqué un truc, c'est que la pompe à essence, je l'entends pas s'activer quand. Ah oui, ça peut venir de la pompe à essence, ça c'est clair. Et en pression, il donne quoi? On redémarre 3,5. 3,5, ouais, 3,5, c'est bien. Hein. On va vraiment voir si elle s'active ou pas la pompe. T'as mis le contact? Ouais. J'ai rien entendu. La pompe s'active pas, c'est sûr. Bon, il y a une douille. Peut-être le relais. Oh, ça va plus tarder, c'est chaud. C'est peut-être le relais, mec. Hein. Et puis après, pour remettre le clip, ça, c'est une misère. Parce que là, ils sont vraiment comprimés pour passer tout le temps. Ouais, c'est chiant. Je confirme. Alors ça, par contre, c'est tout le temps le casse-tête. Le gros faut tester. Partie. Faut tester. Ah, c'est chiant. Hein. Ouais. Des fois, c'est où tu regardes le calculateur, où tu regardes la prise. Non, ça va. Et là il éclate le fitage en puits de bougie. Ah non, hein. Ah, je rentre chez moi. Donc du coup
coup c'est noir, comme c'est noir et pas un peu du biche. Alors, on est quoi ? 2-3 heures après la découverte du problème, on a testé énormément de choses. J'ai demandé à Baptiste son avis aussi. Il y a Mike qui est venu, il y a celui dont je ne pourrais pas citer le nom qui est venu. on a regardé plein de trucs. Et jusqu'à présent, bah, on n'a rien trouvé. Donc les bougies, c'est pas ça, c'est sûr. On a nettoyé, même mis d'autres bougies, ça change rien. Le MAF, on a changé par celui de cette jolie S14 qui est là. Ça n'a rien changé non plus. On a regardé l'alimentation du MAF. Ça n'a rien changé non plus, donc entre la prise et le calculateur. On a regardé toutes les masses, moteur et batterie, il n'y a rien. Capteur, cliquetis et papillon, ils n'ont pas l'air d'avoir d'être en cause. Résistance de sonde d'eau pour le calculateur a l'air ok. Enfin bref, on a testé vraiment beaucoup de choses bah, grâce à vous deux qui êtes là. Vraiment super cool. Enfin, pas que vous deux d'ailleurs. Ah, je te jure, ouais, tout le paddock est venu pour nous aider. C'est que mon SR qui a des problèmes. Hein. Les trois là sont en SR, elles n'ont aucun problème et ça tourne très bien. Très très bien. Aïe. Pour la vidéo de Tanguy, pendant que je cherche des problèmes, Paul et Rémi s'amusent. Ouais, je fais ça, l'entrée, le virage, il est énervé. Hein. Alors là, je démonte la sonde lambda parce qu'on commence à avoir des erreurs de sonde lambda au compteur. Peut-être que c'est dû au fait qu'on est tourné trop riche, mais en tout cas, il faut regarder si ça vient de la sonde qui est morte. Oh la vache! Elle est morte. Ah ouais, elle est... Je sais pas si elle est cramée, mais... En tout cas, elle est bien noire. Hein. On met tout ça. Donc là, si même nettoyer sa merde, peut-être qu'elle est morte, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, du coup, là on regarde la carto. on verra pas grand chose. Vraiment, à moins de voir si vraiment c'est cramé ou un conduit qui se fait gonfler, mais bon. Bon, ça c'est pas beau. Ça c'est pas très beau, mais c'est pas dérangeant. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui a bougé ? Là, il n'y a pas une piste qui serait cramée ou. Quand c'est cramé, hein, tu le vois direct. Hein. Sinon, faut regarder les condos. Tu vois les condos là ? Ouais, ils gonflent quand ils sont morts. Mais là, du coup, ils ont pas gonflé. Non, y a rien. La petite interlude pause. Je pense que mon week-end est grillé là pour le roulage. Mon SR, c'est peut-être de la merde. Le SR20, c'est pas de la merde. Il y en a beaucoup. Ça roule très bien, ça marche très bien et on va vous montrer ça, je pense. Il semblerait que cette personne ici soit en fin de vie. Tanguy voulait rouler. Mais Tanguy, on ne roulera pas aujourd'hui. Peut-être demain. On va redémarrer là. Et si tu démarres pas, ben on t'enlève tes feux cookies qui te rendent mignonne. On te met les vieux feux moches d'avant. Hein ? Et attention, on va faire ça pour tout. On va même te rajouter des rayures. Ça, c'est bon. Ça, quel plaisir. Wow. Il y en a qui font des 3-6 à pleine balle. Il se fait applaudir. Bien essayé. Oh, la flûte. Là, il y a un petit côté Tanguy. Genre, il l'a rentré. Oh là là, c'est pas l'excité là. Oh, ça sent le niche là. Ah ouais. Regarde comment ça fume sur les fixes. Hey, ça entend pas ça. Je sais pas si tu te souviens de lui à puiser quand t'avais fait ta première sortie avec le 36. Il était là. C'était lui. Il était là et il a toujours la même. Ça fait 10 ans qu'il roule avec ça. Ah
j'ai pas roulé, mais j'aide quand même. Jette-moi ça, on fait une voiture qui s'est roulée dans le bac. Et ça va, Paul? Bordel, comment ça marche? Et donc voilà comment se termine la première journée du week-end. On met pas la barre haute, le SR a l'air pas vraiment en forme pour coopérer. On se dit, c'est dead. Jusqu'à ce que le lendemain... Alors, on vient de la démarrer là pour la première fois de la journée et... Elle ne fume pas apparemment, par contre... Tu peux donner trop belle chandelle. Je crois que la lambda est morte. Ça a pas l'air dégueu là. Mathis qui m'a demandé de connecter, donc je fais ça et ça ne fait rien. T'as un masque, hein? Ouais, j'en ai. Je sais pas c'est quoi, mais c'est. Mais sans déconner. Moi, si tu peux rouler aujourd'hui, c'est fait. Ouais. Moi aussi, là, elle est à 65. Oui, je sais. Et vous avez manqué le bruit de flûte? Moi non plus. Première session, les freins, je freine pas beaucoup. En théorie, le rodage est quasiment terminé là. Il en reste encore un petit peu de matière. Je pense que la purge doit être refaite. C'est un peu normal quand tu installes un nouveau système, parce que c'est vachement vide. Ouais, faut faire une purge et on repart tester et puis ensuite fini. Ça c'est assez proche ça. Hein. Regarde toutes les bulles que tu avais. Shout out to my boy Jimmy Hooks. Comme ça on écoute les conseils d'un magicien. Ouais, c'est plus qu'un magicien ce mec. Là c'est sûr qu'il y a beaucoup de bulles là. Hein. Il maintient depuis tout à l'heure là. Oui. Oh là là le pauvre. Ça va? Bon, y a quand même des bulles qui partent. Ça a déjà été purgé hein. Mets du liquide, fais la purge. Oh oui, il va bien.
vraie vitesse qui passe pas. Ça fait du bien de rouler. On a pas de temps à perdre. C'est monté, pas de fit. Alors, le niveau de... On a l'air pas trop mal. Alors, quick check-up en dessous. La ligne qu'on a resserrée juste avant de partir. Ah! Bah oui! Ah! Et puis là, j'avais mis un 29 alors.
D'une sœur. Bon, on est sur le chemin du retour. Forcément, je peux utiliser la caméra que j'ai louée parce qu'on est plus dans un rush monumental à filmer au portable tellement c'est la merde. Bah faisons le point. Après un peu de recul et de perspective, cet événement a été vraiment génial, surtout en termes d'interaction humaine. J'ai pu rencontrer des personnes que je voulais voir depuis très longtemps. Bref, c'était vraiment un événement avec plein de gens cool. C'était à la chill, même si pour nous, c'est pas tellement chill parce qu'il fallait qu'on rush pour essayer de rouler. Au final, je suis content parce que j'ai pu rouler une partie de la journée du dimanche. Bon, j'ai fait maximum 10 runs, hein. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu prendre un petit peu mes marques sur le circuit, même si clairement pas eu le temps de... J'aurais aimé, mais alors prendre le virage d'entrée beaucoup plus fort. Je regarde les rushs et je fais... tu pouvais, je sais pas, rentrer 20 km au-dessus là avec, je sais pas, Valence. Prochaine fois qu'on ira au circuit de la Châtre, j'ai bien intérêt à l'envoyer beaucoup plus fort. Le moteur, du coup, me fait des galères. On a la chauffe et le problème électrique. Première chose que je vais faire, c'est changer la cartographie. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, normalement. On verra bien si ça résout le problème. Et voilà, malgré les emmerdes qu'il m'a fait, j'aime toujours autant ce bloc. J'adore la manière dont il se comporte, j'adore la manière dont il est agressif, comment il prend les tours. Bon, il manque un peu de patate, hein. J'ai clairement pas exploité le potentiel du SR20, là. Au final, il est vraiment possible que ce soit le faisceau. Le problème, genre une partie du faisceau qui est un faux contact, en fait, et qu'en fonction de l'humidité ou de machin ou de bidule, eh ben, t'es le faux contact ou pas, et que ça mette le moteur en sécurité. Donc ouais, merci à vous tous à l'événement qui êtes venus aider, qui êtes venus parler. On a fait notre maximum et j'ai quand même bien profité du week-end. J'espère que tout le monde à l'événement a profité aussi. Peu importe ce que ça m'en coûte, je vais le faire fonctionner, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Sur ce, la puissance retient tous. Salut.